Bonjour tout le monde. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une victoire 3-1. Bon, on a gagné 3-1. On va pas crier partout là. Mais bon, on a gagné, c'est bien. On a fait l'essentiel contre Dijon. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que hier, on a revu une légende. Non, je rigole, mais on a revu Yann Béré, le mec qui nous a sauvés contre l'OM pour le dernier Bordeaux OM à l'Escure. Voilà. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ce match? Ouais, il a été pas trop mal. Je sais pas comment tu peux dire ça, il a été moyen moyen, tu vois. On a gagné 3-1, c'est bien, mais tu vois qu'il nous manque un buteur parce que Laborde, il perdait beaucoup de ballons, il a loupé un face-à-face à un moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Camano, bah par intermittence, ça, ce mec il peut te faire quelque chose de bien. Franchement, il peut accélérer, hein. Et après il garde trop la balle alors qu'il peut lâcher la balle, c'est pareil. Lui, on connaît tous la même musique avec ces joueurs. Hein. Après, il y avait qui? Bah, Plasie, il a pas été très bon. Il y avait qui d'autre? Les Ragueurs non plus. Bah, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Bah, celui qui est toujours là et qui représente pour l'instant plus le club que les autres, c'est Koundé. Parce que Koundé, franchement, c'est un monstre. Hein. Lui, je sais pas combien va être sa clause libératoire, mais il faut pas que les dirigeants fassent le con. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bon, j'ai vu. Enfin, tout le monde a vu, il y a une petite chance d'aller en Coupe d'Europe. Bon, alors qu'on soit clair, c'est que déjà faut gagner à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça fait je sais pas combien de matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc du coup, ça va être compliqué. Il faut gagner à Saint-Étienne, après ils vont à Monaco. Donc du coup, si on gagne Saint-Étienne, on revient à 3,2, on aura un meilleur goal average qu'eux. Il faut espérer qu'ils perdent à Monaco et nous, quand on tape Toulouse et Nice, etc. Bon, il y a une petite chance. Bon, si on y va, tant mieux. Mais bon, gagner à Saint-Étienne, ça va être très compliqué. Il faut y croire, on est supporters, mais bon, hein, moi j'ai un petit peu du mal à y croire. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. On verra si ça se fait les actionnaires, j'en sais rien. Je peux rien te dire de plus parce que le match, voilà, on a gagné 3-1. But de Sankaré, voilà. Le penalty, Sankaré, il a fait le con. Ensuite, but de Camano. Et après, un CSC de Rosier, si je me souviens bien. Ouais, Rosier, ou. Ouais. Voilà, ensuite, bon, après la sortie de Malcolm. C'est bien, on n'en fait pas tout un caisse parce que le mec, tu sais très bien qu'il veut se barrer. Et voilà, c'est tout. Il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce qu'il veut. Ce que ça se passerait dans notre club, ben là, je pense que ça aurait gueulé, tu vois. Mais je sais pas quoi y penser. Franchement, tu vois, Malcolm, franchement, s'il nous sort un éclat de génie, tant mieux. Mais franchement, j'en ai rien à branler. Hein. Franchement, je te le dis clair et net. On verra s'il va s'en sortir dans un grand club. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il est pressé de partir dans un grand club, au Bayern ou où tu veux. On verra s'il s'en sort. Certes, il a un talent fou. Mais ses agents, pardon, c'est des cons. Voilà. Bon, allez. On va passer une bonne semaine. En plus, un jour férié. On verra ce qui se passe contre Saint-Étienne. Si on gagne Saint-Étienne, eh bien, il restera 2 matchs. On pourra espérer accrocher l'Europe. Si on gagne pas Saint-Étienne, ben, on finira au mieux 8e. Voilà. Bon, allez, c'était Romiche. Ciao tout le monde. Ah oui! Quelle est la bonne nouvelle aussi de la soirée? C'est qu'on est passé devant Nantes. Eh oui, je déteste les Nantais, vous le savez. Donc voilà. Bon, allez, c'était Romiche. Ciao tout le monde. Et allez, Bordeaux, hein.